Bonjour, mes stagiaires. Bonjour à tous. Dans le cadre de la société à responsabilité limitée, on va voir la responsabilité du gérant. Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas. Envers la société ou envers les tiers. Soit des infractions, soit des infractions aux dispositions applicables. Société à responsabilité limitée. Je donne des exemples. Octroi d'un prêt à un associé personne physique. Refus de communication à un associé des documents sociaux. Défaut de mise en paiement des dividendes dans le délai légal. Absence d'initiative pour régulariser cette situation. Par exemple, lorsque le nombre d'associés est supérieur à 50. Soit des violations, des statuts. Exemple, passer les conventions avec un tiers sans recueillir l'autorisation préalable des associés alors qu'une clause des statuts le prévoyait expressément. Passer une convention avec un tiers sans recueillir l'autorisation préalable des associés alors qu'une clause des statuts les prévoyait expressément. Soit des fautes commises dans leur gestion. La justice a un pouvoir souverain d'appréciation de la faute de gestion. Par exemple, commandes importantes alors que la société est déficitaire. Assurance insuffisante. Absence d'avis aux associés sur la gravité de la situation financière de la société. Conclusion d'un bail préjudiciable à la société. Défaut de paiement des cotisations de sécurité sociale alors que la trésorerie de la société le permettait. Obstination à gérer seule et sans contrôle, notamment en refusant de réunir des co-associés en assemblée générale, fraude fiscale, etc. Une autre idée, si
plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont coopéré, on m'a fait le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Voilà un autre point. Je recommence. Si plusieurs gérants ont coopéré au même fait, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l'action en réparation du préjudice, subi personnellement, les associés peuvent soit individuellement soit en sous-groupant intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Voilà. Je recommence cette idée. Outre l'action en réparation en préjudice, subi personnellement, les assurés pour soi, individuellement, en se groupant, en tentant l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entité préjudice subie par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages
intérêts sont alloués. Voilà. J'explique à cette fin les associés représentant au moins le cas du capital peuvent dans un intérêt commun chargé à l'œuvrer un ou plusieurs d'entre eux de le représenter pour le soutenir en demande en défense. L'action sociale contre les gérants. Encore le retrait en cours d'instance d'un plusieurs associés qu'il soit perdu et c'est mieux qu'il aille perdu la qualité d'associé qu'il se soit volontairement désister. En effet, sur la poursuite de la dite instance.
encore lorsque l'action sociale est entrepris. Le tribunal peut statuer le tribunal ne peut statuer que si la société est régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ce représentant légal. Voilà. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'action sociale à la vie préalable à l'autorisation de l'ensemble général. Qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Encore, avec là, aucune décision de l'ensemble général des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité
contre les gérants. Pour fraude commise. Dans l'accomplissement de leur mandat. Voilà, on a terminé pour la responsabilité du gérant, mais j'ajoute un tableau. Fait deux colonnes, résumons, action individuelle, et action sociale. Et donc pour l'action individuelle, intenté par toute personne sur un associé ou tiers de substance justifiant d'un préjudice personnel. Deuxième point, entamé dans le cadre de l'action individuelle, les dommages-intérêts. Les dommages-intérêts éventuellement alloués versés aux dommages, pardon, versés aux demandeurs. N'est-ce pas? L'action individuelle, n'est-ce pas, l'action sociale, et dans plusieurs cas, peut être exercée, deux points, premier point, par un associé, agissant individuellement. Un autre peut être agi par un groupe représentant par un groupe de trois d'associés représentant au moins représentant au moins 25% du capital. Maintenant, le capital. Je suppose un autre point, l'action sociale, si vous menez bien là. Vise à réparer un préjudice subi par la société.
Les dommages intérêts éventuellement à eux sont versés à la société. Idem, les dommages intérêts éventuellement alloués seront versés à la société. Et attention, seront versés à la société et non aux demandeurs. Et non aux demandeurs. Voilà, on a terminé pour la responsabilité du gérant. Merci de vos attentions et jusqu'à la prochaine séance. N'hésitez pas à t'abonner, n'hésitez pas à te poser la question.